Mila Jasmine, après une première couche, elle annonce sa grossesse. Et une maman de plus dans le monde de la télé-réalité. Cela fait maintenant plus de 10 ans que le genre télévisuel cartonne sur nos écrans. Le temps passe et l'âge de nos candidats avec Jessica Thivenin, Manon Marceau, Dijas Correia, Hilary, Laura Lampica, pour ne citer qu'elles, sont déjà mamans depuis quelques années. Après une mauvaise expérience avec Mujda Saglam, Mila Jasmine a eu bien du mal à trouver chaussure à son pied. Mais, surprise, en janvier 2022, la candidate de télé-réalité officialise avec Lorenzo et publie des clichés de son mariage. Déjà papa de 4 enfants avec son ex-femme Nelia, l'homme d'affaires va accueillir un 5e enfant puisque Mila Jasmine vient d'annoncer qu'elle était enceinte. Frémi Fram. Cela fait maintenant des semaines que la starlette ne filmait que la partie haute de son corps sur ses réseaux sociaux. Scrutée par les blogueurs, une photo du ventre arrondi de Mila Jasmine avait alors fuité le 22 novembre dernier. Pour eux, plus de place au doute, la jeune femme de 33 ans attendait bien son premier bébé. Et ils avaient raison. En effet, Mila vient de tout avouer dans un réel Instagram bouleversant intitulé « J'ai une surprise pour vous ». Un cadeau de Noël avant l'heure, un miracle de Dieu. Il y a plusieurs mois, j'ai été hospitalisée. J'avais mal au ventre, je ne savais pas ce qu'il m'arrivait. Les médecins ont dit que je devais me faire opérer en urgence car j'étais entre la vie et la mort. Sauf que j'étais enceinte à ce moment-là et j'ai perdu mon bébé. Cela a été une épreuve très difficile pour moi. Heureusement que mes amis, mon mari et ma famille étaient là. Petit à petit, j'ai commencé à retrouver le sourire, à reprendre goût à la vie. J'ai énormément prié pour qu'un miracle se produise. Et, il semble que Dieu m'ait entendu. Guillaumet. Frémi Fram. Après cette annonce et ces révélations choc, Mila était très heureuse de recevoir énormément de retours positifs. Elle s'est ensuite directement adressée à sa communauté pour les remercier. « Je suis en train de pleurer. Vos messages me touchent beaucoup trop. Si vous saviez comme ça a été difficile et éprouvant pour moi. Surtout la première fois et de le garder pour moi alors que j'avais envie de vous le dire. » Guillaumet. Je ne m'attendais pas à recevoir autant d'amour. Il y a une partie de moi qui se sent hyper soulagée. Enfin, je vais pouvoir partager ça avec ma communauté, écouter vos conseils. Vous posez plein de questions, car c'est tout nouveau pour moi. Juste pour répondre. Pour les personnes qui n'ont pas compris la vidéo sur mon Instagram, j'ai perdu mon bébé il y a quelques mois malgré mes prières. C'est la vie. Paix à son âme. Puis, je suis retombée enceinte. On ne se remet jamais de la perte d'un enfant. Maintenant, je peux snapper le bas de mon corps. Je m'attendais à devenir une patate. J'ai pris du poids, mais le fait que je sois déjà en forme a fait que j'ai réussi à le cacher. Laura et Manon n'ont rien capté, plaisante Mila Jasmine, plus épanouie que jamais.